قولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. Ces versets de la sourate 4 sur la crucifixion de Jésus, comme l'ensemble du Coran, témoignent de ce qu'a pu être la prédication de Mahomet de son vivant. Pourtant, la tradition musulmane postérieure au Coran a laissé penser que le prophète de l'islam était ignorant et inculte, ne sachant ni lire ni écrire. Quand le Coran traite le prophète, enfin, décrit le prophète comme le prophète ummi, mot qui a évolué pour vouloir dire analphabète ou ignorant, cette interprétation est fausse. Elle est fausse. Ummi, ça veut dire ignorant de la loi de Dieu, de l'existence de Dieu, mais non pas analphabète au sens propre. Et le prophète... ça correspond exactement au terme gentil. En langue française, le prophète des gentils. Un peu comme Paul était d'ailleurs le messager, l'apôtre des gentils. Ce sont des gentils, c'est-à-dire des gens qui sont hors de la connaissance de la vraie religion, monothéiste. Et le prophète étant prophète homme, ça veut dire c'est le prophète des gentils, tout simplement. Son peuple étant un peuple qui ignorait la loi de Dieu et l'existence de Dieu et son unicité. Et il est venu leur apprendre cela. Donc cette histoire d'analphabète ne tient pas. Cependant, pour affermir l'idée que le Coran est une révélation divine, mot pour mot d'ailleurs, en quelque sorte, ils sont allés vers cette voie de proclamation de l'analphabétisme du prophète. Étant analphabète, il ne pouvait rien écrire, ni rien penser. C'est un pur réceptacle de la révélation divine. C'est un personnage qui accueille la révélation, sans plus. C'est quelque chose de divin. Dieu l'a choisi, point final. Ce n'est ni un savant, ni un grand lettré, ni même un homme de savoir. Le fait de prétendre que Mahomet était analphabète, c'est arrivé plus tard. C'était une façon de montrer que le Coran était tout à fait unique, puisqu'il avait été révélé à travers un homme qui ne savait ni lire ni écrire. Mais ce n'est pas très précis, comme on peut le constater lors de débats avec des juifs et des chrétiens. Un verset lui fait dire par exemple « Amenez-moi la Torah que je vous la lise si vous êtes des croyants ». C'est bien la preuve qu'il pouvait lire et écrire. Je suis presque certain, pas certain mais presque, qu'il savait lire et écrire, que ce n'était pas un analphabète. Donc il avait une culture vaste. C'était la culture de l'aristocratie mécoise, en définitive. Or, il appartenait à cette aristocratie marchande mécoise. Et donc, je ne sais pas s'il connaissait d'autres langues, mais il connaissait bien la culture de son époque. Ça, c'est absolument certain. De même que la résurrection de Jésus-Christ est au cœur de la foi des chrétiens, la révélation du Coran par Mahomet est au centre de la foi islamique. Mais ce texte est longtemps resté une prédication orale que les compagnons du prophète auraient apprise par cœur avant de la mettre par écrit pour la fixer et la transmettre. Malheur à ceux qui,
écrivent l'écriture sacrée de leurs mains et qui disent que cela vient de Dieu. Pour moi, c'est un passage absolument fondamental. C'est un passage fondamental parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on ose ne pas se contenter de transmettre oralement de manière fidèle ce que signifie exactement en arabe le mot « Qur'an », le fait de transmettre fidèlement. Si on ne se contente pas de transmettre fidèlement et de mémoriser de cette façon le texte révélé, le simple fait de oser écrire de main humaine ce kitab, cette écriture surnaturelle, conduit à la dénaturer. Et c'est d'ailleurs ce dont sont accusés les Juifs de la même période. Ayant osé écrire de leurs mains, ils ont, et là le Coran le dit, ils ont, c'est le tahrif, ils ont déformé le texte, ils ont déplacé le mot, donc ils ont trahi l'œuvre de Qur'an. Ça veut dire qu'on est dans une société où si on écrit, on n'écrit que des textes courts, on n'écrit pas ce genre de, on n'écrit pas ce genre de texte. Ce genre de texte, on le transmet dans la mémoire. Bon. Il n'y a aucune raison anthropologique pour qu'on dise cela des Juifs et qu'à côté, on écrive. Je pense qu'il est difficile, même si le monde arabe, arabique de cette époque, comme beaucoup de peuples sans écriture, je ne dirais pas qu'ils étaient sans écriture, mais disons avec un faible coefficient de l'écrit, se fondaient sur la mémoire. C'est le cas des Arabes, mais malgré tout, les premières sourates du Coran sont tellement précises, exactes, avec des mots très bien choisis, qu'il est difficile de penser que ça a été gardé par la mémoire. Peut-être sans doute la mémoire du prophète lui-même, mais probablement ça a été consigné. D'autant qu'à la Mecque, peuple de marchands, l'écriture était répandue. Dans un premier temps, les révélations qui sont encore assez courtes pouvaient sans doute s'accommoder de matériaux de type, provisoire ou aléatoire, c'est-à-dire, comme c'était des notes, on pouvait le noter sur, par exemple, une omoplate de chameau. La tradition musulmane nous dit qu'au moment où on a mis par écrit le Coran, on fait venir toute une collection de supports, de morceaux de cuir, des morceaux de pierres plates sur lesquelles on peut écrire, des omoplates de chameaux, des pétioles de palmiers. C'est intéressant parce que ce détail-là, on l'a compris récemment, ça correspond à des choses qu'on a trouvées au Yémen. Donc c'était vraiment des supports tout à fait normaux pour l'écriture à cette époque. Mais alors, bien sûr, faire un livre avec ça, c'est difficile. Enfin, on voit assez mal, le Coran sous forme d'une séquence d'omoplates accrochée par un fil. Et puis, il y a le modèle, bien sûr, de la Torah et de l'Évangile. Donc, il y a quand même des référents culturels qui invitent à faire quelque chose de plus performant. Donc, c'est un texte qui, encore une fois, fait le saut de l'oralité à l'écrit dans des conditions qui sont sans doute difficiles dans la mesure où il n'est pas sûr que ceux qui manipulaient le calame aient eu véritablement l'habitude de noter des textes très importants. Pendant que Mahomet vivait, personne dans sa communauté n'éprouvait le besoin de consigner les sourates et de les garder au sein d'un livre. Il pouvait y avoir des scribes qui notaient parfois des fragments de textes. À la mort du prophète de l'islam, Abu Bakr, le premier calife, a tenté de rassembler ces textes, mais il a échoué. Plus tard, c'est le calife Othman qui a réuni le Coran grâce aux compagnons du prophète qu'il avait entendu
ou qui en avaient transcrit des parties. Comment est-on passé de l'oral à l'écrit? C'est une phase déterminante. La mise par écrit du Coran, c'est un saut quantitatif et intellectuel, important, matériel également. Alors bon, bien sûr, l'islam arrive dans une région où il y a déjà des livres depuis un certain temps, et les musulmans ont pu bénéficier de l'expérience antérieure. On sait même par des sources que des copistes chrétiens ont copié le Coran pour des commanditaires musulmans qui voulaient avoir une copie. Donc il y a un transfert de technologie, si on veut, qui est tout à fait attesté et dont on peut tout à fait admettre l'existence. According to the Islamic literary sources, the story is that the Quran was. D'après les sources littéraires islamiques, le Coran aurait été retenu par cœur par les compagnons du prophète. And that, you know, as the prophet died, and à la mort du prophète, les Arabes ont gagné l'Égypte, l'Arabie, la Syrie et l'Irak. Le texte du Coran est devenu de moins en moins stable parce que la mémoire qu'en gardaient les croyants n'était pas la même. Des variantes ont été introduites dans le Coran. Ça, c'est le récit traditionnel. Ensuite, Othman a réuni les compagnons du prophète qui avaient mémorisé le Coran et il a procédé à sa mise par écrit. Cette histoire du Coran ne tient pas tout à fait debout, parce qu'il y a certains passages du texte qui nous obligent à envisager qu'il a dû parfois être transcrit au moment même où il était mémorisé. Donc l'oralité et la textualité ont pu être contemporaines. Après la mort du prophète, le passage d'une prédication orale à la mise par écrit des sourates va donner lieu à de nombreuses versions, transformations, ajouts, retraits. Cela témoigne du contexte historique dans lequel l'établissement du texte du Coran devint un enjeu politique capital. La mise par écrit du texte coranique s'est faite dans un contexte, j'allais dire, douloureux, de conflictualité, d'un empire naissant. Et là, pour le coup, la tradition musulmane nous dit plein de choses et des choses contradictoires, des choses parfois extrêmement surprenantes. On a par exemple la mise en scène dans des sources où le calife lui-même, Omar, souhaiterait expurger un passage du Coran. C'est dit explicitement. Certains passages aussi de la tradition musulmane nous disent qu'il y a, semble-t-il, c'est Tabari, dans Tabari, on a ce passage où il est dit qu'il y a beaucoup de choses du Coran, j'allais dire originel, qui n'est pas présent dans le texte que nous avons aujourd'hui. Donc si nous nous référons ne serait-ce qu'à la tradition musulmane, on voit bien que ce passage de l'oralité à l'écriture, j'allais dire, est un passage douloureux. Quant à la forme du texte, les sources islamiques le montrent très bien, elle a beaucoup bougé au cours des quatre premiers siècles, mais à l'intérieur d'un cadre sémantique qui est resté grosso modo le même. Évidemment, il serait erroné de dire que le texte qu'on lit aujourd'hui correspond exactement à celui de la première moitié du 7e siècle. Toutefois, les documents dont nous disposons sous forme d'inscriptions ou de parchemins montrent que le cadre, par comparaison avec les livres de la Bible, est fixé très tôt. Quelques dizaines d'années seulement après la mort du prophète, d'importantes parties du Coran sont déjà fixées, au moins 50 à 60%. Les parties restantes seront le résultat d'un long processus historique.
On a depuis longtemps l'information transmise par la tradition musulmane que des compagnons du prophète, Ibn Mas'ud notamment, Ubay, avaient un codex qui n'était pas le même que celui du prophète. Le codex d'Ibn Mas'ud, nous dit-on, ne contient pas la Fatiha, ne contient pas les deux dernières sourates qu'il considère comme n'appartenant pas au Coran. Le codex de Ubay contient plus de sourates. Donc il y a en fait non pas un Coran, mais il y a plusieurs Corans. Et la découverte du palimpseste de Sana nous montre que, en plus de ceux dont on avait déjà entendu parler par la tradition, il y avait encore une autre transmission qui circulait et qui a été préservée de manière accidentelle et miraculeuse pour nous, qui montre que finalement l'histoire est beaucoup plus complexe que ce qu'on nous raconte. Alors, le palimpseste de Sana est un manuscrit qui a été trouvé donc, dans la grande mosquée de Sana. On en a trouvé une quarantaine de feuillets qui sont maintenant connus et bien étudiés, relativement bien étudiés. Et tout récemment, donc, on a trouvé à Sana une quarantaine de feuillets dans une autre bibliothèque, dont on espère qu'ils viendront compléter notre information sur cette autre tradition du texte coranique. Ce qui s'est passé, c'est donc que le texte ne correspondait plus à la tradition dominante. Donc on a gratté le parchemin. Le parchemin est suffisamment résistant pour qu'on puisse le frotter assez énergiquement pour éliminer la trace d'écriture. Et puis, comme le parchemin coûte quand même assez cher, on a décidé de le réutiliser et on a copié dessus un nouveau Coran, cette fois-ci conforme à la Vulgate haussmannienne, qui est ce que l'on voit d'emblée quand on regarde le manuscrit. Mais si on fait attention, derrière les lettres, on voit dans un brin un petit peu effacé les lettres de la couche inférieure, de la couche initiale du texte de ce Coran, donc autre que celui que nous connaissons dans les éditions modernes. La version du Coran telle que nous la connaissons, dans ses grandes lignes, elle est établie. Alors, si on est, à mon avis, très optimiste à l'époque de Ruffman, vers 650, si on est peut-être plus réaliste à l'époque de Abd el-Malik, dont la dernière décennie du 7e siècle, peut-être entre les deux, mais on ne peut pas pour l'instant en dire plus, dans la mesure où nous n'avons pas de témoins matériels que l'on puisse dater avec suffisamment de certitude et de précision pour y voir plus clair. Bon, certains collègues ont prétendu avoir daté quelques manuscrits de Sana avant 650, mais leurs arguments ne me paraissent absolument pas convaincants. Donc, on est dans une situation où on peut dire en gros que le texte que nous connaissons prend sa forme, effectivement, un siècle au maximum, moins d'un siècle sans doute, après la mort du prophète. À la mort de Mahomet, le Coran n'est pas encore réuni. La succession du prophète n'est pas réglée. Commence alors une longue période de troubles, de batailles pour la conquête du pouvoir. 4 des 6 premiers successeurs de Mahomet seront assassinés. C'est au milieu de ces conflits que le texte du Coran sera définitivement fixé. Pendant les 2 ou 3 premiers siècles de l'islam, la communauté des fidèles de Mohammed, qu'on finira par appeler musulmans, mais au début, ils ne s'appellent pas comme ça, traverse plusieurs siècles de guerres civiles. Et ces guerres civiles sont contemporaines à l'élaboration des sources saintes de l'islam, c'est-à-dire le Coran et le Hadith. Alors, le prophète Mohammed meurt, selon certaines traditions, empoisonné, des traditions rares mais qui existent cependant. Nous arrivons aux violences qui ont marqué la question de la succession de Mohammed. Le premier calife, Abou Bakr, pendant son règne, arrive ce qu'on appelle les guerres de l'apostasie, c'est-à-dire qu'après la mort de Mohammed, comme cela arrivait assez souvent avant l'avènement de l'islam, les Arabes veulent retourner à leurs religions ancestrales et le premier calife veut les en empêcher, ce qui déclenche des guerres extrêmement violentes, là encore entre différentes tribus arabes. Le deuxième calife, Omar, est, selon la tradition, l'artisan des grandes conquêtes, donc
là arrivent les premières grandes guerres des conquêtes musulmanes. Il est mort de mort violente, il est assassiné, le deuxième calife. Le troisième calife également est assassiné. C'est pendant ce troisième calife, le califat d'Osman, que survient ce qu'on appelle la première grande guerre civile de l'islam, mais en fait les violences sont déjà anciennes. Le quatrième calife, Ali, a une courte règne, mais qui est marquée par trois grandes guerres civiles. Et lui-même, il est mort de mort violente, assassiné, donc quatrième calife, mort de mort violente. La mort de Ali est le début du califat omeyyade. Là, nous sommes témoins d'un cycle extrêmement sanglant de répression par les califes omeyyades de leurs adversaires, et en particulier, ces adversaires sont les partisans de Ali, ce qu'on appelle les Alides, qui vont devenir plus tard les chiites. Donc, cycle de répression et de rébellion ou de révolte armée qui déclenche d'autres répressions sanglantes. Le califat omeyyade est balayé par une révolution violente, c'est-à-dire celle des Abbassides, donc l'arrivée au pouvoir de la seconde dynastie de l'islam, les Abbassides, et là encore, reprise des répressions et des révoltes armées. Et donc, nous sommes déjà au IIIe siècle de l'Égypte. Donc, pendant trois siècles, pratiquement, trois siècles et demi, le début de l'islam est marqué, si vous voulez, par ces guerres civiles qui ont lieu entre des parents, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les premiers musulmans sont des cousins, des frères, des neveux, etc. Donc, c'est, si vous voulez, la violence qui marque parfois la naissance d'une religion n'est pas propre à l'islam. Ça arrive très souvent dans le processus de la naissance et du développement d'une religion. Mais ce qui est propre à l'islam, c'est d'abord le caractère de ces violences, c'est-à-dire ce sont des guerres civiles, il s'agit de guerres vraiment fratricides, et ensuite la longévité séculaire de ces guerres qui durent plusieurs siècles. Alors ce qui est également important, c'est que nous avons au même moment l'élaboration des écritures saintes de l'islam, c'est-à-dire le Coran et le Hadith. On ne peut pas, je pense, comprendre l'histoire du Coran si on oublie, si on néglige le fait que le Coran est un texte extrêmement politique. C'est un texte qui est politique parfois par son contenu, par la manière notamment dont il conçoit le lien entre Dieu et ses créatures et le lien d'obéissance entre Dieu et ses créatures, mais c'est aussi, à mon avis, un texte extrêmement politique parce que la décision de mise en place du texte est entre les mains de la famille Omeyyade, que la famille Omeyyade joue un rôle considérable dans la mise en place du texte. Autrement dit, il faut prendre en compte, bien que parfois on néglige ce fait, le problème suivant qui est les débats à la fois pour l'autodéfinition, je dirais, de l'islam par rapport au judaïsme et au christianisme, et également les débats qui agitent, les débats et les combats qui agitent la communauté musulmane, et notamment les combats entre les partisans de Ali et les autres. Et on peut difficilement, je pense, comprendre le Coran, même si, encore une fois, il est souvent très allusif sur les questions contemporaines, mais on peut difficilement comprendre le Coran si on néglige ces deux aspects, l'autodéfinition par rapport à l'extérieur et la question de la direction d'un groupe qui, pendant des décennies, se combat, que ce soit première fitna qui se termine en 661, ou la seconde fitna, par exemple, très importante dans l'histoire du Coran, et qui voit Abdelmalik triompher du contre-calife ou de l'anti-calife hijazien Ibn Az-Zubayr. Le Coran le souligne à plusieurs reprises. Mahomet est celui qui a transmis pour la première fois aux Arabes, dans leur propre langue, la révélation divine. Quant à affirmer que Mahomet doit être considéré comme l'auteur de cette œuvre littéraire très élaborée, la question demeure encore aujourd'hui des plus délicates. Je préférerais éviter la question de savoir si Mahomet est vraiment l'auteur du Coran. D'abord parce que la polémique entre l'Orient et l'Occident a une longue histoire. Ensuite, parce que la question est tout bonnement insoluble. Je ne sais pas qui a mis le Coran par écrit. Je ne sais pas qui en est l'auteur.
Il faut bien garder à l'esprit que ce texte est lié à une situation précise, celle d'un individu inspiré qui s'adresse à une communauté. Les très nombreuses études qui analysent les conditions psychologiques de ce phénomène montrent qu'un individu qui se pense inspiré fonctionne très différemment de quelqu'un qui s'assied pour écrire un livre. On ne peut pas comprendre la moindre page du Coran en imaginant Mahomet en train de travailler à son bureau. Ce serait absurde. C'est un texte qui s'adresse à une communauté. Celui qui parle, parle sous la dictée de Dieu. Il ne se pose pas en poète ni en auteur qui suivrait son imagination. C'est Dieu qui lui souffle ce qu'il dit. Quant à savoir si c'est Dieu ou non, c'est une question qui intéresse les théologiens, mais qui n'est pas pertinente d'un point de vue scientifique. Ce qui est significatif, c'est que Mahomet était convaincu que c'est Dieu qui lui parlait. Ma position est une position qui n'est pas la position traditionnelle, mais qui s'inscrit quand même dans un acte de foi. Pour moi, le Coran est parole divine. Mais également parole du prophète. Je ne peux pas admettre que Dieu parle en arabe. C'est un anthropomorphisme qui a été, qui s'est imposé parce que la mentalité pré-moderne pouvait admettre cette position. Alors que pour moi, c'est l'origine de la révélation qui est divine. Dieu a révélé à un personnage exceptionnel qui est Mohammed. Mais Mohammed n'a pas transmis textuellement cette révélation. Il a pu intervenir avec sa culture, avec les informations dont il dispose, avec tout le substrat historique du milieu dans lequel il a vécu. Mais il y avait quand même dans tout le Coran un esprit qui est constant et qui fait l'unité du texte coranique pour le croyant. Ce n'est pas un texte pareil à tous les textes des poètes de l'anti-islam ou aux traités théologiques ou de morale, etc. On voit que c'est un texte exceptionnel, mais encore une fois, c'est un texte où on voit l'esprit divin insufflé dans les objectifs auxquels tient cette révélation. Ce sont des objectifs d'élévation spirituelle, de strict monothéisme, de rectitude morale. Et si on situe cela dans la suite des révélations antérieures, on voit que ce n'est pas une exception. Lorsqu'on voit les grands prophètes de la Bible, on peut voir qu'un prophète comme Jérémie, par exemple, ou l'autre, on voit le souffle divin dans leur prophétie, mais leur prophétie était tout à fait situé dans l'histoire. Et pour moi, le texte coranique se situe dans l'histoire. Et,
Aujourd'hui, l'idée que Mahomet serait l'auteur unique du Coran n'est plus mise en avant par la recherche occidentale. On ne dit plus « Mahomet dit que », mais le Coran dit. Ce n'est pas une solution parce que le Coran n'est pas pour nous une hypostase, une personnification de la parole de Dieu, mais la transcription d'un processus historique. Eine Niederschrift, eine historisch in der Zeit stehende Niederschrift eines historischen Prozesses, der noch früher ist. Also, wer ist der Autor? Alors, qui est l'auteur du Coran? Ja, wenn man sowas sagen kann, für einen Prozess, à mon avis, cet auteur, si tant est qu'on puisse qualifier ainsi un processus historique, est un auteur complexe. Le messager, Mahomet, constitue un élément de ce processus. Sa communauté en est un autre, mais si l'on admet que le Coran est un texte prophétique, on peut voir aussi un troisième acteur, Dieu lui-même. Dieu est parfois le protagoniste du récit. Il parle, il s'exprime à travers l'ensemble du Coran. Nous ne pouvons donc pas nous poser en pur laïque et refuser d'envisager l'idée d'un acteur transcendantal pour exclure cette voie divine. Sinon, le Coran n'a plus d'intérêt. Si on postule que le Coran n'est vraiment que le produit d'un groupe de personnes assemblées autour du messager et qu'il se querelle sur certains points de théologie, on aura bien du mal à expliquer pourquoi ce groupe a pu avoir par la suite un tel succès. Je pense qu'il faut relier le contenu de ce discours avec la conviction qu'a Mahomet d'être inspiré par Dieu. Si l'on met en doute cette conviction, si on la refuse, on ne peut pas comprendre le Coran. Pourquoi, s'il ne pense pas être inspiré par Dieu, Mahomet aurait-il prétendu jusqu'au bout l'avoir été? Cette inspiration divine, cette certitude d'être sous la dictée de Dieu, je pense qu'elle était vraiment très présente chez Mahomet et que cela a eu une grande influence sur ceux qui l'entouraient. Je conclurai donc que la paternité du Coran revient à trois figures. En premier, une voix divine, une force inspirante, une instance qui joue un rôle essentiel. En second, le messager qui annonce la parole. Et en troisième lieu, sa communauté. An der auch alles festgemacht wird und dann den Verkünder und seine Gemeinde. On peut pas dire que Mahomet, que le prophète Mohammed est l'auteur du Coran. L'interrogation même sur l'auteur du Coran n'est pas une question, je crois, pertinente. Parce que c'est une question passe sous silence l'histoire du texte et s'interroge sur son origine, c'est-à-dire son origine humaine ou pas humaine, ou bien humaine ou divine ou sacrée. Alors qu'on a une seule possibilité, c'est de voir ce texte comme un texte qui fait partie de l'histoire. Et historiquement, il est là, il est perçu comme texte divin. Alors comment, quels sont les arguments de son caractère sacré? Il y en a beaucoup, bien entendu. Le Coran est considéré comme le miracle
par excellence du prophète Mohammed. Pour, si on se pose cette question parce que, comme une question, je veux dire, capricieuse, je crois qu'on ne peut pas dire que une seule personne est l'auteur d'un texte d'une importance aussi capitale dans l'histoire de l'humanité. Je pense que ce texte dépasse de loin le simple fait d'imaginer que le prophète Mohammed était là en train de compiler des textes par-ci et par-là pour que tout ça aboutisse enfin au phénomène coranique. Je pense que le processus de la transmission du Coran, qui implique, je veux dire, sa transmission par le prophète Mohammed, je pense que c'est un processus progressif. D'ailleurs, c'est pas mon idée personnelle, l'histoire le dit. Après, quels sont les paramètres qui sont intervenus dans ce processus? On peut non seulement imaginer, mais observer plusieurs paramètres, bien entendu. Il y a des copistes, il y a les tout premiers témoins, il y a l'interprétation, il y a des passages qui interprètent, passages coraniques qui interprètent des passages coraniques. Alors, si on veut reconstituer ce processus-là de production du Coran, on peut tenir compte de plusieurs aspects, mais on ne peut pas, à mon avis, spéculer sur l'auteur. Ce n'est pas une question historique, je crois. Je dirais qu'en tant que musulman, la question de l'auteur, pour moi, elle est évidente. C'est Dieu. Si j'en suis maintenant, si je suis historien, et je le suis, la question est beaucoup plus complexe. Elle est éminemment complexe. Éminemment complexe parce que, au jour d'aujourd'hui, effectivement, nous sommes face à un texte fragmenté. Nous sommes face à un texte extrêmement complexe qui, il semble assez évident que, il soit le fruit de sources multiples. Hein. Ça peut être des révélations différentes, etc., qui ont été juxtaposées les unes après les autres. Et là, effectivement, son statut change complètement. On n'est plus dans cette certitude théologique. Là, on est dans un texte travaillé, un texte très humain, un texte fruit d'un contexte difficilement définissable, mais pour l'instant en tout cas. Et là, effectivement, ça remet en cause un dogme, clairement. Donc, c'est là où le frein est important. Et on connaît la situation dans les pays arabes, un peu difficile, dans les pays musulmans, la plupart du temps. La question même de l'authenticité du Coran, là, parler jusque-là, mais parler de composition du texte coranique est pour le coup, pour beaucoup, sacrilège. Donc on peut comprendre ces réticences. On peut les comprendre parce qu'elles touchent à un élément central, central de la foi islamique. C'est le kérigme. Ce texte est le centre de la foi islamique. Et donc, quand on parle de composition, là, on met les pieds dans un sujet qui déchaîne les passions. Qui explique la prudence que l'on peut avoir, clairement. Alors, des questions de révélation et des questions de transcendance, de relation entre Dieu et le prophète Mohammed à travers l'ange de la révélation, etc., ce sont des questions qui concernent les croyants, n'est-ce pas, et qui sont des questions extrêmement respectables dans ce cadre-là.
Mais ces questions ne concernent pas l'historien ou le philologue. Et le drame, peut-être, bon, on va en reparler, c'est que en islam en particulier, il y a une rupture trop grande, justement, entre le musulman croyant et le savant philologue. Il faudrait essayer, peut-être, je ne sais pas de quelle manière, mais ça va peut-être venir, essayer de combler, n'est-ce pas, cet abîme entre ces deux-là. Alors, ce qui se passe, c'est que, effectivement, si on considère, par exemple, mais tout cela, si vous voulez, ce sont des hypothèses, ce sont des points d'interrogation. L'étude du Coran, de son histoire et de son contenu, est une science en devenir, n'est-ce pas? C'est une science qui s'enrichit de débats extrêmement importants et parfois contradictoires depuis un siècle et demi. Donc, si vous voulez, ce qui est important, c'est de poser de bonnes questions que d'apporter de réponses. Et là, on en est là, je pense. As a scholar, you might have your belief, but, en tant que chercheur, vous pouvez avoir une croyance, mais cela ne peut pas constituer votre approche. Votre approche pour comprendre le Coran repose moins sur sa composition que sur les circonstances de sa révélation. Pourquoi est-ce si important pour Mahomet et ses compagnons de le proclamer et si fort? La question de la paternité du texte est ambiguë. Mahomet pourrait être l'auteur du Coran. Mais il se pourrait aussi que plusieurs personnes aient été impliquées. C'est pourquoi je préfère parler de mouvement de Mahomet. Pour moi, le Coran est le produit de ce mouvement. C'est absolument exclu de mon point de vue. Même si j'ai vu ces dernières années beaucoup de recherches qui ont essayé de prouver le contraire. Je ne pense pas qu'il y ait plusieurs auteurs, parce qu'il y a plusieurs thèmes dans le Coran et plusieurs styles dans le Coran. Tout d'abord parce que cette révélation s'est prolongé pendant plus de 20 années, plus de 20 ans. Chaque personne évolue. Son discours, son style évolue. D'autre part, ce Coran, avant d'être réuni en corpus officiel, était mémorisé par les compagnons du prophète. Et s'il y avait plusieurs auteurs, ça se serait su. On l'aurait su de toute façon. On ne trouve pas la moindre allusion au moindre auteur qui ait participé à la rédaction de ce texte. Troisième élément, c'est que il y avait certainement beaucoup de versets qui étaient pas le texte dans son ensemble, mais beaucoup de versets, beaucoup de courtes sourates, beaucoup d'ensembles de versets étaient consignés par écrit. Et l'argument principal qu'on peut opposer à cette idée d'auteur différent, c'est que ce texte est d'une facture orale manifeste. Bon, du point de vue de l'historien, la base est quand même d'essayer de voir quelle est l'hypothèse la plus plausible et qui rend le mieux compte des réalités, qui rend le mieux compte, par exemple, de l'évolution stylistique, du fait que, par exemple, dans les sourates les plus anciennes, de la fin du Coran, si on prend le codex, donc les sourates brèves, hein, l'arabe est quand même un peu différent, il y a beaucoup plus d'apax, à savoir qu'il y a beaucoup plus de termes qui n'apparaissent qu'une seule fois dans l'ensemble du corpus. Comment expliquer le fait que nous ayons une telle interconnexion du texte, hein, énormément de passages du Coran, notamment quand on va au début,
ça va plutôt dans le sens d'une grande interconnexion, donc de méthodes de composition qui utilisent et réutilisent des textes déjà existants que l'on recycle dans le cadre d'une nouvelle sourate, par exemple, ou de nouvelles homélies. Cela ressemble davantage au type de méthode de composition que l'on aurait chez des scribes plutôt que simplement des méthodes de composition qui auraient leur source dans systèmes de ou des contextes d'énonciation orale et de débats oraux. On a des sourates, les plus brèves en particulier, qui visiblement peuvent se comprendre dans un contexte, on va dire, de débat ou de polémique ou de prédication orale. On a dans la méthode de composition utilisée, notamment dans les sourates les plus longues, on a quand même plutôt les indices d'une composition écrite, hein, et d'un travail de scribe, ce qui, même si le prophète n'était pas illettré, ce qui quand même semble indiquer un travail qu'il faut estimer avoir été pratiqué par des gens qui avaient la formation pour ce type de choses, à savoir des gens qui avaient suivi le cursus et qui avaient un rôle de scribe, des moines, des gens comme ça par exemple, des clercs si je puis dire, qui connaissaient à la fois très bien les questions, les textes religieux par rapport auxquels ils prennent position, mais également les méthodes, on va dire, de composition et d'exégèse. Le fait que si souvent dans le Coran, que ce soit par exemple la sourate 19 entre Myriam et Marie, ou la troisième sourate et d'autres entre Adam et Jésus, on soit des typologies qui sont mises en place, c'est un type d'exégèse, par exemple, ou un type de méthode de réflexion et de présentation des choses qui est typiquement chrétien, qui suppose que l'on a été familiarisé avec ce type de méthode. Donc, le plus plausible, quand même, me semble-t-il, si l'on s'en tient en tout cas aux données de l'histoire, c'est plutôt un travail collectif à partir, bien sûr, des logia prophétique et de textes liturgiques en usage dans la première communauté. Bien entendu, il ne s'agit pas de dire que tout a été fait après, loin de là, bien au contraire. On a certainement des textes très archaïques et anciens qui sont dans le Coran. Si on prend le texte en faisant abstraction de la vision théologique, qui n'est qu'une vision théologique et dont l'historien n'a pas à se soucier, si on fait abstraction donc de cette approche purement théologique, et que l'on examine le texte comme on examinerait n'importe quel autre texte du 7e siècle, eh bien, on se rend compte qu'on a bel et bien affaire à ce que j'ai dit, un corpus composite, probablement réunissant des textes d'origine et d'époque plus différentes qu'on ne le croirait si on suit la version traditionnelle. Mais vous savez, l'homme pieux, le musulman pieux, ne s'intéresse pas à l'histoire. Quand il lit un texte coranique, pour lui, c'est un texte sacré, provenant de Dieu, avec sa tonalité propre, sa vibration, sa sonorité magnifique sur le plan, qui frappe le cœur et l'esprit. Les hommes pieux, c'est-à-dire les millions de gens, et même les milliards de gens, ne sont pas des historiens. Hein. Ils sont frappés par l'esprit du Coran, et ça leur est égal que... et par le style général. Il y a un style médinois, un style mécois, et il voit le côté purement religieux, le lecteur du Coran. Il voit l'aspect purement religieux, se désintéresse des stratifications des historiens, bien sûr. Mais même un historien, moi, ça ne me dérange pas du tout. Parce qu'il y a une puissante vibration du Coran qui nous fait oublier le fil de l'historicité. Ça ne nous intéresse pas. Quelqu'un qui connaît la langue arabe, qui aime la langue arabe, moi, en tant qu'historien, quand je lis le Coran, bon, il faut que je fasse effort pour voir les choses d'une manière historique. Je suis saisi par le flux général des versets.